diront que Champol et Rose ne sont pas gênés. C'est rien à comparer Télesphore. Lui, il dégage. Même sa famille ne peut plus sentir. Quoi, même le vicaire s'en est mêlé. Voici une pièce jouée, mise en scène, écrite par André Raymond. Le remède secret. On est un but de sa petite personne. Figine, père et mère, tu honoreras. Je peux bien craindre, là, maman, mais il y a toujours bien des émites. Figine, Dieu en vain, tu ne jureras ni. Je jure pas, maman, je vais juste demander au Seigneur de nous nettoyer l'atmosphère un petit peu. Figine, père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Faites-vous pas du bon aux dames, maman, là. Vous honorez-vous, c'est pas une corvée. Oh! Ah! L'endurer de même! C'est plutôt nous autres qui va souffrir longuement. Mais t'as pas tort, ma fille. Ouf, ça vient pire de moi en moi. Oh! L'été, c'est pas si pire, on ouvre les fenêtres, mais l'hiver! Saint ciel! Bénissez-moi, mon père, parce que. Parce que ma mère a dit que j'ai péché. Frigine! Faut pas rire des choses du ciel! Si notre vicaire t'entendait. Mais l'hiver, c'est le ciel! Bonté divine, maman, c'est monsieur le vicaire! T'es pas sérieuse, ma fille? Ça doit être grave, faut qu'il s'amène ici en plein cœur d'après-midi. Bon, moi, il a entendu nos blasphèmes, mais il vient nous confesser. Ou pire, nous condamner au feu d'enfer. C'est sérieux, la religion, ma fille. Puis M. le vicaire, c'est un homme de Dieu. Que je te vois, il fait des faces. Bon, je suis présentable, là? Ah oui, dépêche-toi donc d'aller ouvrir, là. On ne fait pas attendre le prêtre. Ah, au moins, il va avoir une odeur de sainteté dans la maison. Mais Jules Bouchard. Non, il n'y a rien. Bonjour, M. le vicaire. Quelle belle surprise. Bonjour, mes vertueuses paroissiennes. J'espère que je ne vous dérange pas trop pendant votre important travail ménager. Oh, pas tout, monsieur le vicaire, bien au contraire. Bon? Non, non. Ben, allez-vous rester à souper, monsieur le vicaire? Ben, oui, voyez donc, mon télésphore sera bien, bien content. Sans façon, c'est très gentil. Hein? Vous êtes bien gentil, mais j'ai une tonne de choses à faire. Non, la raison de ma visite, elle est un peu plus délicate. À l'église, vous avez le banc numéro 11, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Bérubé, vous connaissez Monsieur Bérubé? Certains vieil Alessandre. Monsieur Bérubé est le premier marguillier de la paroisse. Il s'arrange pour faire résonner ses écus dans l'assiette de la quête à tous les dimanches. On l'entend jusque sur le perron de l'église. Et puis, Monsieur Bérubé occupe le banc numéro 10. Eh oui, puis on le salue bien comme il faut à tous les dimanches. Mais sans vouloir vous offenser, le monsieur le vicaire, il a tout le temps le nez en l'air. C'est à peine s'il nous retourne au sac d'ossier. Elle fait gîte. Jugement téméraire, point ne fera. Il y aurait dit quelque chose de contre nous autres, mais pas du bon lieu? Oh, excusez-la, monsieur, elle m'a échappé. Oh, hey, maman, elle nous lavera la langue avec du savon dans ce sang-là. Un petit tour à la confesse devra faire l'affaire. Bon, qu'est-ce que vous disiez à propos de monsieur Bérubé? C'est bien là le but de ma visite.
Monsieur... Enfin, c'est particulier. Monsieur Bérubé a exprimé le désir d'avoir votre bain à l'église. Il veut changer de place. Monter l'espoir pour d'autres jamais, c'est le bain de son père et de son grand-père. Ah, là n'est pas la question, ma chère Blanche. Monsieur Bérubé souhaite acheter votre bain. Pourquoi? Il a fini d'élever sa famille? Ça serait-il qu'il veut deux bains parce qu'il est plus capable de sentir sa femme? C'est là une demi-vérité, mon enfant. Ce n'est pas sa femme qu'il ne peut plus sentir. Oserais-je croire que vous me suiviez? Mon mari? Eh! Tant que ça, monsieur le vicaire! Loin de moi l'idée d'être médisant, mais même moi, à l'hôtel, je n'ai pas besoin de lever le regard pour savoir lorsque votre mari entre dans l'église. Vous savez, Monsieur Bérubé, qui est très propre, très bien de sa personne, fait pression sur Monsieur le curé, qui, très discrètement, cela va de soi, fait pression sur moi, pour que je me mêle du règlement de ce problème de d'effluves. Problème de quoi, Monsieur Bérubé? Un problème de ma Bouchard, d'émanation. D'Emma quoi? Écoutez, d'odeur corporelle, hein? Même s'il est de notoriété publique que la philanthropie de M. Bérubé n'a pratiquement aucune limite, il a dit qu'il fermerait les yeux si... Si? Si... Ben voyons, maman, c'est pas sorcier, si papa est slave, hein? Votre fille n'est pas loin de la vérité, ma chère Blanche. Si votre télésphore s'adonnait à des ablutions plus généreuses, peut-être que les exhalaisons seraient en conséquence moins agaçantes, vous me comprenez? Peut-être que vous pourriez lui en glisser mot. Bonne délivrance, monsieur le vicaire. Qu'est-ce que vous pensez que je fais depuis toujours pour regarder le résultat? Non. Vous, il va vous écouter. Mon télésphore, c'est un ben bon croyant. Puis vous, là, vous savez parler, vous. Avec tout le respect que je vous dois, madame Bouchard, j'ai déjà fort à faire à m'occuper des armes, hein? Oh, mais inquiétez-vous pas pour l'âme de mon père, hein? Si t'as pas tout l'air que son âme à mon père, là, ça fait un bon bout de temps qu'elle a la tête sur ciel. Fégile, père et mère... Tu honoreras! Excusez-la. J'y pense. Je crois qu'il n'y a personne de mieux placé que notre ami le docteur pour s'occuper du règlement de cette mission. Qu'en pensez-vous? Oh, bonjour, papa! Hey, justement! Monsieur le vicaire! Monsieur le vicaire s'en allait, hein? Et il vous laisse avec votre belle famille. Voyons, monsieur le vicaire! Vous allez rester avec nous autres pour souper! Ah, oui, donc, monsieur le vicaire! Oui, envoyez-le! Ah, il y en a pour trois, aussi, il y en a pour quatre! Madame Curé m'en voudrait de lui faire gaspiller son bon bouillon, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse votre maison! Ah, les familles exemplaires! Ça respire le bonheur! Et vous manquez quelque chose, là, monsieur le vicaire? Ma femme, c'est la meilleure cuisinière de la paroisse! Le vieil! Ah, puis si je veux faire honneur à ma réputation, faut que je retourne à la fourneau. Bonjour, là, monsieur le vicaire, bonjour! Puis toi, mon homme, profite-en donc de te débarbouiller un peu. T'as peut-être te soulager de ta gratelle. Figine, prépare donc un bon bain chaud pour ton père. Gaspille pas d'eau pour rien, ma fille! Alors lui, là, il est sué à grosses gouttes, ça fait que le gros du ménage, lui, est fait. Non, on va plutôt profiter pour piquer un petit charme, ça va faire l'affaire. Ça m'a été une petite roche quand tu seras prête. Comme tu veux, mon homme. Pendant que j'y pense, que je l'ai encore en tête, ma fille, là, rentre donc chez le docteur pour l'affaire de M. le vicaire. Hein? Monsieur Duquin, il est malade! Il n'est pas le bête toutes les maladies! Il n'est pas fait fort, notre Duquin! Pour moi, il se lave trop, il s'use la peau, puis il finit par pogner toutes les maladies! Il te maudit, craqué, c'est agaçant, fresh cream! Il y en a qui ne se lavent pas assez, hein? Dépêche-toi d'aller écrire le docteur, puis explique-lui notre problème de. Tu sais ce que je veux dire, là? Oui, notre problème de flux. Gros jouet, là, arrête, c'est pas le temps de rire, là. Oh, pourvu que le docteur réussisse à le convaincre.
Bon, un souper est prêt? Sa mère, en pourvenant à un verre d'eau, là, je commence à avoir le dallo pour mal fait. À tout de suite, mon homme. Ça fait sa mère! Gardons du vent, là! Ça fait trois fois cette semaine, ça arrive! Si tu ne laissais pas traîner tes bottines en plein milieu de la place et tout. Attends, on va t'en préparer un autre. Laisse faire, maman, j'ai pas mourir! Ouais, pas ça, là! Ah, je sais pas ce que t'as mis dedans, là, mais. Pas mal salé, ton eau! Ouais! Et elle t'a pas mal éclairci le visage! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que ça veut dire, c'est tout! Ah, bonjour, docteur! Qu'est-ce qui est. Ben, hein? Tu serais pas malade? Oh, regardez-moi pas de même, papa. Je suis pas malade, puis inquiétez-vous pas. Je me suis pas fait faire de cadeau non plus. Brigitte Bouchard, tu parleras pas de même à ton père. Toi, tu veux-tu que ça s'arrête des oreilles? Excuse-moi, là, docteur, des fois, là, hein? Il y en a pas de problème. Oh. Hey, si. Vous venez pourquoi, là? Ma devine, t'as l'espoir? Je suis pas malade, là. C'est bien que t'as une maudite cratelle-là qui veut pas me sacrer patience. Hey, je commence à être rêve, là, hein. Si ça continue de même, là, le monde, ils pourront plus me sentir. Mais écoutez, le passé est garant de l'avenir. Quoi? Ah, rien, je me parlais. Une pilule, une crème, un onguent. Rien mieux que ça pour toi, mon télésphore. Ouais, quoi? Puis ça coûte rien. Oui, mais c'est quoi? C'est un remède secret. Ouais? Mais là, c'est quoi? Si je t'en parle, pour que je puisse te faire confiance, tu le diras pas, là, hein? Oh! J'ai juré de craquer, docteur! Oui. De l'eau! Oh! Ben, j'aurais jamais deviné ça par moi-même. Pis vous, maman? Mais non! J'en suis toute renversée! Hein? Essayez-vous de dire que je me lave pas? Ben, je me lave, OK? Où? Quand? Comment? Où, quand, comment? Et où qu'il faut, quand qu'il faut, puis comment il faut? Où, quand, comment, la dernière fois? Ben, j'étais là, vite de même, je peux pas le dire. Là, là, ça me démange? Oh oui, oh oui. Quand, dernier lavage? Vite de même. Pis là, ça te démange? Ah, pas pour rire à part de ça! Quel dernier lavage? Ben là, vite de même, là, pis. Ben oui, mais qui ça dérange? Ben là, moi peut-être! Ah, ben écoute, là, je me lave! Surtout pas trop! Ok, trêve de procès. Télésphore, voici ma prescription. Lavage à l'eau sur toute la surface corporelle, préalablement enduite de savon et ce au moins une fois par semaine, sous supervision. Effectif à partir du 1er septembre 1889. Le 1er septembre? Oui, mais aujourd'hui? Tout à fait! On peut faire entrer les responsables de la supervision. Madame Mirveux, puis votre femme, docteur! Oh oui! Non, mais je suis capable de... Hey, docteur! Désolé, mais j'ai plein de malades à m'occuper. Mesdames, amusez-vous! Oui, mais docteur, avant de me déshabiller, puis me... Si tu penses qu'on va se priver, téléphone, tu vas sentir l'encens, la rose, la lavande... Non, Virginie! Laissez-les pour faire! Virginie, j'entends. Ah, Mirubé, vous êtes en train de me répéter, je vais vous porter.
Oh, le vicaire, il voudra pas. Vous donnez l'absolution. Monsieur le vicaire, il aime ça, la propreté de l'âme, puis du corps. On va enfin savoir si c'est vrai, ça. Non, mais pas ça, parce que... Non, oh, what? Blanche Vermeille, t'es une sabre et cramère! Hey, bien le bonjour! Oh, Albertine et Émilien se comprennent plus. Albertine est dépassée par la charge de travail, puis Émilien, lui, se plaint pour rien. Fait qu'un jour, il a voulu faire plaisir à sa femme en y achetant une vieille lampe. Vous allez voir, ils vont finir par voir clair. Voici Allume mon vieux, une pièce écrite, mise en scène et jouée par Julie Houle. Ouais, on est un but de sa personne. Pis regardez bien, là, parce que c'est mon moment de gloire. C'est la guenille qui passe par chez vous. Donnez-lui des sous ou elle vous rendra fou. Elle va vous rendre fou, vrai. Vous avez pas l'air de me craire, ma bonne dame. Demandez à Albertine puis Émilien, eux autres. Ben voyons. Ah oui! Quentin, veux-tu me laisser ça à terre? C'est sale, ça, mon tuyau! Laisse-les donc jouer! Avouez que ce portrait-là serait ben trop beau pour notre belle Albertine, hein? La femme qui lit son journal pendant que l'homme s'occupe de la marmaille pis des besognes. Eh ben non! Peut-être bien plus tard, mais là, là, aujourd'hui, à nous autres, en 1890, ça ressemblerait plutôt à ça. Quentin, veux-tu bien laisser ça à terre? C'est sale, ce Montilou. Laisse-le donc jouer. Avouez que ça, c'est plus normal, hein? Pour encore un bon petit bout. Mais vous allez voir, ils vont finir par voir clair. C'est la guenille qui passe. Ah, ben oui. Pauvres autres! C'est la guenille. Gontran, lâche ton frère, mon poussin! Laisse-le donc jouer! Émilien, veux-tu ramener là, des patates du jardin, là? Oh, Jonas, mange pas ça! C'est pas bon, mon petit chat! Sont là! J'en vois juste quatre. C'est ça. Je vais pas en ramasser d'autres à cause de mon tour de rein. Ça fait 3 mois de ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 4 patates? Delphine, elle peut pas t'aider. C'est pour ça que tu l'as engagée pour qu'elle t'aide sur la terre. Oh! Barnabé! Joue pas avec la fourche à paupières! Delphine, elle fait pas grand-chose, je vais te dire. Elle fait juste se plaindre de son Anatole. Au moins, c'est pas un moulin à parole comme sa sœur Mignon. Oh, je sais pas comment tu fais pour une lingerie. Oui, elle me donne le tournée. Oh, parle pas en mal de même de mon amie, toi. Elle, au moins, elle est là pour moi. Puis, comment je vais faire pour nourrir là, ta généreuse progéniture de 10 enfants, hein, et qui te court partout là, comme des perdus dans l'eau? Oh, fais donc ta soupe pour ta mère à la place. Hey, tu sais que j'aime ta soupe, petite. Je vais faire une grosse batch avec tes petites tomates. J'ai plus envie de les pitcher dans la face. Oh! Non! Ernest, maman, veut pas! Pour que c'est fait que t'es jamais capable de faire pousser des légumes, mon homme? J'ai pas le tout. Et puis tu sais, je suis pas faite pour la terre. T'es pas faite pour grand-chose, mon homme. T'aurais dû y penser avant d'acheter la ferme à ton père. Oh! Isidore! Arrête de tirer sur les tresses à ta sœur, puis lâche les ciseaux tout de suite! Bon, les jumeaux sont encore pognés ensemble. Oh, bon, t'es divine que j'ai chaud!
Ben non! Ma pitoune, pleure pas, Délimo! Laisse-le donc jouer! Entouré de neuf frères! Ben, laisse-la donc jouer! Ben oui, avec des ciseaux, des mains! Oh, mon Dieu! Henri-Mé, descends de là, mon coco! C'est dangereux, là, sur le toit de la grange! C'est pas un enfant, celui-là! C'est une tornade! Oh, j'ai chaud, bonté divine! Oh, ouvre la fenêtre, là! On dirait que le grand va me fendre en deux! Fais-tu de la fièvre, ma femme? L'autre nuit, les draps de ton côté, t'as tout mouillé. Ben non, mon homme. Inquiète-toi pas pour moi, là. Je pense que tu comprendras jamais bien les femmes. Émilien, tes pieds. Sa Majesté pourrait-il lever ses pieds pour que je puisse ramasser les dégâts de son fils? Je te dis que celui-là porte mal son nom. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais il a fait rentrer le vieux chien du voisin tout crotté, là, pis ça a tout sali partout dans la maison. Hey, l'autre jour, là, c'était une grenouille qu'il avait ramassée dans la boîte. Me semble que je la revois, là, dans mes plottes de laine, là. Hey, je t'avais fait un petit saut. C'est pas mêlant. Dans pas long, on va avoir une ménagerie dans la maison. Laisse-le donc jouer. T'attires ces animaux en appelant nos enfants de main. C'est à cause de toi qu'il va avoir un zoo ici dedans. Ah, tu m'énerves. Mon vieux, tes pieds. Tu peux t'occuper de tes enfants et tout, des fois, hein? C'est les tiens aussi. T'es bonne avec eux autres. C'est une affaire de femme. Pis j'ai mal dans le dos. Pis laisse-les donc jouer. Bonté divine, qu'on voit donc pas clair ici. Dans qu'est-ce que tu vas l'acheter, là, la lampe que je te parle depuis des mois? Je peux bien avoir mal à la tête! Oh! Télésphore, Hector! Débarquer de Subertout, tu suis! Ben, mais vimeux! Attendez pas que papa je choque, là! Hé, bout de bière! Lâchez ma Bertha! T'avais pas mal au rein, toi? On sait bien. Quand il est question de sa vache, le monde arrête de tourner. Il pouvait bien donner le nom de sa mère. En passant, là, je vais te laisser avoir des petits fruits, là, pour faire mes confitures cet automne. Bon, tu es divine. C'est pas 10 enfants que j'ai, c'est 11. Je sais pas si ça va exister, là, une pilule magique un jour, là, pour les calmer. Je suis assez fatiguée, putainée. C'est pas mal, là. Je pense que la journée, elle peut pas être pire. Coucou, Martine! Oh non, pitié. Pas elle. C'est la guenille qui passe par chez vous. Bon, vous connaissez la chanson, mais pas lui. C'est ici que je rentre dans l'histoire. C'est la guenille qui passe par chez vous. Donnez-lui des sous ou elle vous rendra fou. Hey! Bien le bonjour, mon bon monsieur! Je pourrais-tu faire votre bonheur en vous vendant quelque chose? Comme, une lampe. Bout de viande! Êtes-vous sorcier, vous? Ben oui, ma femme m'a fait avec ça depuis un bout. Elle dit qu'elle n'est pas claire dans la maison. Ah, oh, mais vous aurez jamais vu aussi clair que ça. Ça va être 3 piastres. 3 piastres? Ça va pas? Ça va être 3 piastres sur rien. Allume, mon vieux! Ta femme va être choquée noire si tu y emmènes pas une lampe! Vous aurez jamais vu aussi clair! Ça fait 2 fois que vous me dites ça! Je vous bargaine ça à 2 piastres! 4! 2! 3! 2! 1! 2! Ok, c'est bien parce que c'est vous! Vendu! Ah, merci bien, madame! Ben voyons, bout de pierre! Où c'est qu'elle est rendue? C'est ma Bertine qui va être contente. Bertine? Bertine? Faut se réveiller? Faut faire le déjeuner? Bertine? Où est-ce hein? Comment ça? J'ai passé la nuit ici? Pourquoi ça fait? Tu m'as pas réveillé? Oh! Les enfants! Ils sont où, les enfants? Pas de panique!
Ton petit mari s'en est occupé. Ils ont dormi dans la fête avec Berton. T'as laissé dormir nos enfants dans la grange? Mais à quoi t'as pensé? Es-tu viré sur la tête? C'est dangereux! Ben non, il n'y a pas de danger. Il y a juste que... c'est des limons. Quoi, des limons? Parle, bonté divine, là! Tu vas me faire mourir! Ben, elle a une couette en moins un matin. Je vais les triper. Je vais les triper. Calme-toi, ma femme. C'est à cause qu'ils ont faim. Mais si t'es pas capable de surveiller nos enfants, tu peux leur faire à déjeuner. Va chercher des œufs. La poêle est là. Ben, c'est que les enfants se les ont tous garochés. Il n'y en reste plus. Je vois les triper. Pour me faire pardonner, je t'ai fait un cadeau, ma douce. C'est quoi cette vieillerie-là? Pis c'est toute sale. Où c'est que t'as trouvé ça? C'est la gueule. Non, c'est Gaétan qui m'a vendu ça pas cher. Ah, oh, ben, il m'a dit que tu verrais plus jamais aussi clair. Ah, oh, ben, il a mal l'air un peu étrange quand il m'a dit ça. Pis je suppose que t'as payé ça trop cher encore. Hein, mon vieux, t'as tellement pas le tour d'économiser. Pas plus que 50 ans, j'espère? Ben non, j'ai donné juste... une pièce. Une pièce? Moi, les tripes. Encore des reproches. Toujours des reproches. Je fais tout pour te faire plaisir. Je comprends que ça part d'une bonne intention, là. Mais franchement, une pièce. Je peux bien dépenser deux pièces. Je veux dire, une pièce pour ma femme puis les besoins de la maison. Je travaille fort, ça va. Je gagne mon pain pour ma famille. Pis moi et tout, je travaille fort pour ma famille, même si je gagne pas une motadine de scène pour tout ce que je fais. Je nettoie ta maison, je nourris tout le monde, je reprise tes vêtements, je lave le linge, j'éduque nos enfants qui ont pas d'allure. Tu passerais pas au travail d'une journée, mon vieux. Ben, c'est dur, ça pète, ça. Toi non plus, tu passerais pas à travers une journée à travailler, bon. Quoi? Je travaille pas, moi? En tout cas, moi et tout, j'irai à Taverne pour prendre un coup pour me reposer. C'est pas une place pour les femmes. Les femmes, c'est ta maison, une place. Où c'est que tu vas être malade? Tu n'as pas un bon cadeau à cette heure. T'en veux pas? Je vais essayer de la prendre. Pas question. J'en ai une. Je la garde. Ça va prendre des lunes avant que tu m'en retrouves un autre. Merci. Donne-moi ça. Non. C'est à moi. Il faut que j'aille travailler. Sois raisonnable. Donne! Change de place avec toi n'importe quand! Poudrière! Bonté divine! Bertine? Millet? Je vous l'avais dit qu'il pouvait pas voir plus clair. Comme on dit, pas de changement, pas d'agrément. Boudiard, ça se peut pas! Émilien, il faut se calmer. Il s'est passé quelque chose de bien étrange. Étrange? Je suis rendu trans. Je suis transformé en femme! Puis moi, un homme! Bertine, je suis pas bi. Je suis pas bien, là. Oh, j'ai chaud! Tu vas peut-être mieux me comprendre, hein? Émilien, calme-toi, hein? On va trouver une bonne solution, puis vite avant que les enfants débarquent. Bon, là, c'est pas que j'ai rien que ça à faire à conter des histoires. Pour accélérer l'affaire, ça faisait une demi-heure qu'ils essayaient de trouver qu'est-ce qui leur était arrivé. Émilien, ben Albertine, dans le corps d'Émilien, a fini par comprendre. Puis vous autres, aviez-vous compris ça? Vous suivez toujours, là. On a fait quelque chose en même temps. Oui, mais quoi donc? On a touché à l'arbre en même temps. Bonté divine, c'est ça. Donne-moi, Émilien. T'es brillante, ma femme. Je sais, depuis le temps, j'ai des problèmes. J'entends grouiller dans le cœur. Il faut se dépêcher, là. Hein? Il faut toucher. Ça marchera pas. OK. Je vois que ça n'a rien fait. Je vois
vous l'avez dit! Qu'est-ce qu'on disait? Je changerai de place avec toi! C'est ça, c'est ça! Il faut peut-être parler en même temps. OK, à gauche, on dit la phrase, OK? C'est donc, quand même confortable, une robe, hein? Ouais, ben avec un corsaire, c'est pas mal plus souffrant. Émilien, as-tu compris? Oui, à go! Et ça non plus, OK, un, deux, trois, go! Changerai de place avec tout le nez! De place avec tout le nez! Go! Ben tu le dis tout croche! Oh, mais je suis nerveux, là! On essaie encore, OK? À go, on dit changerai de place avec toi. Il faut y toucher, là. Bonne chance, les enfants! C'est la guenille qui passe partout. Coucou, Martine! Hey, je suis passée hier, puis t'étais pas là. Je commençais à m'inquiéter. Hey, coudonc, il y avait une chérie dans la grange. Hey, t'as-tu essayé les confitures de groseille, finalement? Ta cuisine est belle à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Delphine! Va t'en voir dans la grange, là. D'un coup, j'aurais une bébite ou quelque chose. Hey, je t'ai-tu raconté l'histoire de la voisine qui pensait que son chien avait des puces? Delphine! Reste pas plantée là! Va voir dans la grange! Comment ça, va voir toi-même la sœur? Hey, c'est elle qui travaille sa ferme puis qui fait des affaires d'hommes. Des fois, j'ai l'impression qu'elle n'est pas née dans le bon cadre. Bon, je suis certaine. Je veux dire, certain que les enfants vont juste jouer avant d'aller à l'école de Pumori. Ils aiment ça jouer avec Bertha. Ben voyons, jamais personne ne peut approcher ta vache en tubeur. Je suis pas si pire que ça, bonté divine. Je veux dire, Émilien est pas si pire que ça, bonté divine. Oh, yeah, c'est la première fois que tu dis ça de ton Émilien. Ah, ouais? Ah? Émilien, à la grange, hein? Avant que tout le monde s'entretue. Mais non, j'exagère. Ils sont pas si pires que ça, vos enfants. Non, non, t'as raison. C'est des monstres. Mais je les aime tellement, mes petits loups. Hey, c'est surprenant que ton gros lâche de mari se décide enfin à se mêler de la vie de ses enfants. Tu m'en parlais l'autre fois, ça n'a pas d'allure. Je suis certaine là, que là, il va aller se cacher dans le foin là, pour aller dormir. Maudit fainéant! Ou grand fanal! Ça fait pas cette face-là. C'est même que tu la perds dans ton dos. Ah, c'est surtout parce qu'il n'allume pas vite. Allume, mon vieux! Hey, excuse-moi, Martine, mais t'as vraiment une tête affreuse, hein? T'as-tu déjà essayé de te mettre du jus de citron en dessous des yeux? Ça enlève l'inflammation, il paraîtrait. Ah, mais fais attention de pas t'en mettre des yeux, par exemple, parce que là, c'est vrai que tu vas brailler pour autre chose que l'incapacité de ton Émilien à faire de quoi? Mais quoi? Hey, savais-tu que tu pouvais nettoyer ton plancher, là, avec la graisse de Mère Mouton? Hey, c'est la voisine Tanguy qui m'a dit ça. Il paraîtrait qu'elle a découvert le truc, là, en échappant de la graisse de mouton sur son plancher. Là, elle a pris sa guenille, là, puis elle a tout nettoyé, là, puis frotté avant que son mari arrive, là. Puis après, hey, je te prendrai un thé, moi. Hey, je t'ai-tu raconté la fois où que mon petit dernier a perdu une dent? Imagine-toi donc que c'est ta... Bon, tout est sous contrôle. Les enfants ont faim, puis ils vont débarquer d'une minute à l'autre. Tu t'en vas pas tout de suite à mon homme. Hein? On va en profiter pour déjeuner toute la famille ensemble. Mais non, ma douce Bertine. Il faut que ton homme aille travailler. Hein? Les patates vont pas pousser tout seul. Delphine a réussi à trouver une coupe d'œufs pour déjeuner et calmer les enfants. La poêle est juste là. Et c'est une affaire de femme, fait la cuisine, hein? Oh, si, j'aime mieux pas me prononcer. J'ai des idées arrêtées, ça, Émilien. Tu pourrais prendre une journée de congé, hein, mon homme, hein? Il semble que t'as l'air fatigué, mon homme. Delphine, elle m'a dit qu'elle a pris un la semaine passée. Ben oui, faut aller travailler. Les gens doivent gagner leur croûte. Faut aller travailler. Je pense que les enfants y ont faim, là. Hein? Bonne journée, ma chérie. Puis attends-moi pas. Je vais revenir tard. J'ai ben d'ouvrage. Hein? Ouais. Ah, mais faites-vous-en pas, ma Bertine. Va te tenir compagnie, moi. Hey, je t'avais-tu raconté que la cousine Tanguy allait nettoyer son berger avec la graisse de cochon? Avoue que c'était de la graisse de mouton. Hey, je m'en rappelle plus. En tout cas, elle a fait un dégât, là, puis là, ça a tout tombé à terre. Mais voyons, Bertine. Bertine, attends-moi. Hey, écoute, je vais te dire, ça a tout tombé à terre, puis...
petit moineau. Il va se passer une scène ici, puis après ici, en alternance. Ici, puis après ici. Ici, puis après ici. Là, vous avez bien compris, là. Vous suivez toujours, voilà. Bon, faut pas oublier qu'Albertine est dans le corps de son mari et vice-versa. Et vice-versa-là. Ce qui est bien drôle, c'est qu'Albertine, elle sait pas que moi, je le sais, que c'est pas Émilien. C'est moi qui ai vendu la lampe après tout. Je connais ses secrets. Vous allez voir les vérités sortir du sac. Hey, bien bonjour, mon bon monsieur. C'est rare que je vous vois travailler. D'habitude, c'est votre employé, là, le beau brin de femme, qui se démène pendant que vous dormez dans le foin. Bonté! Boudiard! J'ai jamais fait ça! Oh, vous devriez l'écouter plus souvent. Elle a sûrement des bonnes idées pour faire du profit. Ben, je veux dire, plus de bidou. Votre terre est pas bien ben rentrable avec vos petites pétacles. Voulez-vous bien dire comment vous savez ça? Elle vient de partir dans la grange, elle vient juste m'en parler. C'est qui, vous? Êtes-vous sorcière? Moi, là, je suis les yeux puis les oreilles du village. Je connais tous les secrets, même les vôtres. Vous suivez toujours, là. Ici, puis ici. Suivez, là. Puis ça lui permettait de découvrir que ça lui donnait les lunettes toutes propres, ce que ça peut faire, le vinaigre, hein? Je laverai jamais mes chaussées avec du vinaigre, voyons, oui. Mais ben, les enfants! Oh, je suis déjà épuisée, puis j'ai chaud au bout de gage. T'aurais pas pu m'aider, toi, tantôt, avec les petits, là? Je cours comme une bonne! Hé, Ned, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en à l'école! T'es drôle, la matin! Pis t'avais l'air d'une poule pas de tête, là, à courir après eux autres pour essayer de les habiller. Ah, pis la façon que t'as fait tes œufs sans les casser, la mère! Depuis le temps que tu fais à manger! Prends donc une tisane de fenouil, hein? Ernest! Va-t'en à l'école, mon petit chat! Hé! Il m'écoute pas. Pourquoi il m'écoute pas? Il est sourd! Voyons! Je vois, tu doubles! T'aurais besoin d'un cataplasme de peau de banane pour te calmer le gros d'air. Mets-toi les yeux en face des trous. C'est pas Ernest, c'est Isidore. Puis tu vois pas double. L'autre, là, c'est Delima. Elle s'est coupée son autre couette, là, à matin pour ressembler à son frère jumeau. Puis je les ai vus s'échanger du linge l'autre fois. Ils sont bien trop jeunes pour aller à l'école. Ils ont juste 4 ans. Qui c'est qui envoie ses enfants de 4 ans à l'école? Franchement. Martine, que les écoles sont là-bas. Sont où les bécosses? Ben voyons, les bécosses, vous vous êtes jamais gênés de faire ça dans le bois. C'est ça aussi, changer de corps, hein? Hey, je peux pas le laisser de même, ça serait cruel. Ok, j'abuse, là. Non, c'est donc bien compliqué avec une robe. Ah! C'est bien pratique de même! Oh! Ben oui, les jumeaux. Oh, Isidore, qu'est-ce que tu fais là? On se promène pas les fesses à l'air. Voyons, un matin! Ben oui, mais voyons, c'est dans les châles, ça! Je sais pas, il met une robe. C'est un petit gars! Partir! Mais qu'est-ce qui arrive avec toi, Martin? T'es-tu indisposé? Hmm? As-tu traversé la mer rouge? Les Anglais sont-ils débarqués? Hein? Les petits clowns, c'est un petit du nez! De quoi tu parles? T'as-tu tes règles? Wesh! Non! J'espère que non! Oh, j'ai chaud, là, tout d'un coup, là! Je suis pas bien! Je suis pas bien, là! Oh! Mais t'es rendue, là, ma vieille! C'est ta verte vieillesse! Ben quoi? Ben, ta crise de milieu de vie! Ton retour d'âge, ta faire! C'est-tu bien? Bout de viande! Je commence à comprendre! Oh! Allez, là, je comprends que c'est le champ du linge, mais quand même, de quel secret que tu parlais tout à l'heure? Hey, moi, je sais tout, tout, tout. Voyons, c'était-tu si peu que ça pour pas que tu t'en rappelles? Je sais que. Vous vous êtes presque embrassés. Hein? Quoi? Ils sont? On s'est embrassés?
ben ma vieuse! Mon jus d'autre, oui! Ben non. En fait, là, c'était elle. Mais vous l'avez arrêté en disant que c'était un beau brin de femme, mais jamais autant de votre table de tienne. Ben là, faites pas cette face-là. Vous, vous dites ça tout le temps, puis vous avez bien raison. On ne faut pas en vouloir à Delphine. Elle travaille fort de ses mains. Elle n'a pas des allures de grande dame comme moi. Elle sait pas courir. Il paraît qu'elle mange souvent ses bouillies, mais elle travaille fort. Puis écoute, le bon Dieu, il a pas voulu qu'elle ait d'enfants, mais au moins, elle est capable de nourrir ceux des autres. Puis son Anatole, il l'aime comme elle est. Ouais, on est bien chanceuse. Chanceux. Hey, je vous ai jamais vu travailler autant. Vous allez mériter d'aller sortir à soir avec Anatole. inquiétez-vous pas. Elle va finir à comprendre qu'il faut me défouler de temps en temps. Elle est pas si pire que ça. Oh, votre grand-blette. Blette? Ben oui, j'entends tout, moi. Vous dites qu'elle a besoin de tout savoir puis se fourrer le nez partout. Ben, elle n'a pas le choix. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il est... Je suis tellement souvent un grand flambeau. Oh, moi, j'en ai connu des hommes. Puis les hommes que j'ai connus, là, ils étaient souvent bien orgueilleux, puis ils voulaient pas se tromper, fait qu'ils essayaient pas. Oh, ils ont assez peur que le village rise d'eux autres. Je vous ai même entendu dire que vous aimeriez mieux mourir que perdre votre femme. Bon, t'es divine. Humiliant. En tout cas, dans le fond, j'ai entendu ça par la fenêtre de la taverne. Pour un homme, là, c'est bien dur d'avoir toute la charge sur ses épaules, de faire vivre sa famille. Écoute, vous êtes fort puis vous rentrez dans le tour sans que ça paraisse. Mais vous êtes chanceux quand même. Ouais, on est bien chanceuse. Ouais, chanceux. Puis à ce temps que les femmes se mêlent de vos récoltes, ben, c'est vous autres les chanceux aussi. Bon, ben là, c'est pas parce que je m'ennuie, là, mais je dois y aller. Envoyeur, Albertine! Tu comprends? Elle s'était juste pour un petit voir, ça aurait pu y sauter dans la face. C'est ce que m'a dit mon grand flambeau. Eh, Mina, tu vois un peu fort, là. Ben, c'est toi qui me disais ça l'autre fois. L'autre sens, hein, ta planche. Je sais bien que tu n'aimes pas bien, là, ton grand fanal. Moi, j'ai jamais compris ce que tu y trouvais à ton homme, mais. Tu devrais mettre un peu d'huile dans ton linge, hein, pour l'abuser. Il est doux puis travaillant. De l'huile? Ça va pas faire un peu gros, non? Restez proche de la cour, mes agneaux! Travaillant! Pis doux? Mou, tu veux dire? Je pense pas que ça fasse gros. Hey, je m'excuse, Albertine, mais t'as vraiment une mine affreuse, hein. Je dirais même que t'as une tête de foin. Quand toi, il y en a sur la tête, ça aide, il paraît. Oh, ben, le petit maudit! Angémé, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en à l'école, pis débarque de Subarta tout de suite! Maman? Elle va choquer, là! Je te dis ça de même, mais sens-tu la fumée, toi? Oh! Eh ben, ils ont passé au travers de leur journée. Parce que là, c'était le soir. Ben, la nuit. Émilien, ben, Albertine, il est couché sur la table. Yo! Il est couché sur la table! Ah ouais, pis il y a des fleurs dans les cheveux. Pis il y a des plumes. Albertine, ben, dans le corps d'Émilien, et il arrive un peu pompette. Pareil, lui pis moi.
Ah, oh, pis délie-moi à couper l'autre couette, finalement. Ben, ça va être moins dur à payer le matin, hein? C'est de la bavure. Quoi? Oh, et il me semblait aussi que ça piquait. Oh, ma journée, ça a été l'enfer. Oh, j'ai couru les enfants dans le champ pour les habiller. Ah, oh, j'ai mis, ils s'est caché dans la grange pour pas aller à l'école. Ah, oh, il a fallu que je le cherche parce qu'il s'était perdu. Il a fait les 400 coups toute la journée. Il a couru après Berton qui s'est sauvé. Oh, j'ai éteint un feu. J'ai gorgé une brassée de laveur parce que j'ai mis de l'huile dedans. Puis j'ai brûlé le souper. Oh, puis Hermina, je suis capable. Oh, comment tu fais, ma femme? T'es une sainte, le sais-tu? T'es une sainte. Je suis bien contente que tu le reconnaisses enfin. Puis je te fais remarquer que toutes les autres étaient à l'école. Les plumes? Ah, je me suis battue avec une poule. Ben oui, mon homme, je ferai jamais ta job tout seul. Hein? C'est plate, c'est éreintant puis routinier. Ah, je te remercie de faire ça pour ta famille. Hein? Et puis j'ai parlé avec le voisin, le bonhomme Vingra. T'as parlé à la face de Karen? Ben, je le trouve bien correct, oui. Qu'il est plutôt bel homme. Il a l'air d'un croque-mort. Il faut se moderniser, mon vieux. L'agriculture, c'est pas juste piocher puis être à quatre pattes. J'ai demandé conseil. Puis si on se met toute la famille, on peut monter nos récoltes puis s'acheter de la machinerie. Il y a des connaissances. Je vais en parler. Fais confiance à Delphine et tout. J'ai un autre cadeau pour toi. Ta-da! Ton petit jardin est productif, mon vieux. Hein? Hey, t'es pas mauvais pour la culture, tu sais juste pas comment récolter. Ah, je sais bien qu'avec ton tour de rein, hein, ça t'aide pas. Les petits ont aidé à ramasser. Hey, ils ont vu ça comme un jeu. Hey, c'est Angémy qui en a ramassé le plus. Bon, il y a que Pierre qui a volé, mais c'est pas grave. Hein. Ça paraît que l'union fait la force. Coup de vierge! Hey, les petits sont intelligents. Hey, t'as-tu vu dans la grange? Ils jouent avec des planches, là. Ils ont construit comme un mini-village, là, puis un magasin général. Isidore, il dit que c'est lui le barbier, mais il faudrait y trouver autre chose, là, pour que ça soit moins dangereux. Il faut les rendre plus autonomes. En tout cas, je te lève mon chapeau, ma Bertine. Vous autres, les femmes, vous méritez une médaille. Et il faudrait vous payer pour tout ce que vous faites dans une journée. Merci, mon homme. Je comprends votre détresse et votre pression à cette heure. Hein? Je donnerais n'importe quoi pour venir en arrière. Oh, moi et tout. Qu'est-ce que tu vas faire, petite Bertha? Ben, j'ai ma Bertine. C'est le plus important. Oh, grand fou. Je vais te laisser plus de lousse à cette heure. Oh. Puis moi, je vais t'aider un peu plus avec les dimanches. Oh. Ah, tu sais que je t'aime, toi! Oh. Enfin! Il voit clair! Ben, bout de fière! Albertine, c'est bien toi! Émilien? Oh, mais sac-moi ça au vidange! Oh, plus vite! Hey, non, mais sont-ils pas bons rien qu'un peu? You? Ah, ils font enfin quelque chose ensemble. Attention, les petits gars, avec votre petite sœur. Oh, c'est beau, hein, j'ai aimé. Hey, Miguel. Oh. Hey, non, mais ça se peut-tu, je t'émerveille pareil? Hey, imaginez la nuit, ça va avoir dans mon salon. Enfin, je vais voir clair! Hey, sors-moi ça du site sur ça de ma maison! Hey, c'est ma lampe! Bon, il faut juste que je la frotte un peu avec du beurre, là, mais... Toi pis tes trucs! Ben, ils sont pas niaiseux! Bon, ils marchent pas tout le temps, là, mais bon... Je me dis qu'ils étaient niaiseux! On sait bien! Toi pis ta petite vie tranquille! Tes journées sont pas bien difficiles, hein? Babassin toute la journée.
C'est vrai que c'est épuisant. Oh. Surtout, t'écouter. Oh! Toi, là! Qu'est-ce que tu te prélasses toute la journée, là? T'as pas trop peur de te saler les mains? Sors-moi ça, dehors! Hé, hé! Tu veux que j'aille toute ma lampe? Mais voyons, ils ont rien compris! Hey, 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 c'est pas plus vert chez le voisin de la voisine! Ben, d'où viens? Ben, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Bonté divine! La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisée deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée, afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoriaville Eco, Updata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et faire du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point, car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet, puis on est confiant pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoriaville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec.